3 ans de formation et le bout du tunnel est là. 37 adolescents, dont 20 filles et 17 garçons, ont désormais les qualités qu'il faut pour servir, entre autres dans la plomberie, la soudure, l'électricité, la maçonnerie, la couture, la coiffure, la peinture et le ferraillage. Les défis en vue ici sont très grands et pour les réaliser, l'ONG d'Edras, financée par la Fondation Marie-Jean, veille au grain. Après la formation, il a également été demandé de faire un perfectionnement. Donc, ils passent encore du temps auprès de leur patron afin de mieux avoir la main. Parce que le diplôme n'est pas forcément ambitieux à quelque chose, mais c'est la connaissance que nous recherchons. Donc, il y a certains de ces enfants qui n'ont pas pu suivre tous ces protocoles. Pour ça, nous allons retenir un peu de diplôme. Quand ils seront à jour vis-à-vis de l'approche que nous avons proposée, ils seront également libérés. Avoir une formation, c'est le début de toute vie. Une vision de Dédras ONG qui, dans sa stratégie de mise en œuvre du projet Famille Forte, sait concrétiser un parterre de projets et formations dans les communes du Bénin. Démarré depuis 2016, le projet ADNS, entendait adolescents déscolarisés et ou non scolarisés, fait une fois encore ses preuves dans la commune de Sinondé. Selon les autorités communales, l'initiative est salvatrice. Je voudrais très sincèrement et particulièrement féliciter et remercier Dédras ONG pour tout ce qu'elle fait dans la commune depuis très longtemps. Chers étudiants, ce qui reste dépendra de vous-même, dépendra de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Passer de l'étape d'adolescents déscolarisés et ou non scolarisés à l'étape de jeunes citoyens compétents pour entreprendre, il ne manque que maintenant de quoi affronter la vie professionnelle. Le métier que vous avez appris, je vous assure que si vous l'exercez avec patience et avec honnêteté, vous allez gagner de l'argent dans ce métier-là. Les artisans et les récipiendaires n'en sont visiblement pas moins conscients. Nous, on est très très contents aussi, nous les artisans, parce qu'au début, on a fait un contrat que Dédras a honoré. Pour cela, on leur dit infiniment merci. J'étais à la maison, je ne faisais rien, mais le programme m'a bien aidé. Je remercie Dieu, merci. Maintenant, je sais comment faire pour nourrir ma famille. En plus des diplômes, les heureux du jour ont reçu entre autres des séchoirs métalliques, des filets fins, des mèches et des machines à coudre.